Ce qui est arrivé en fin d'année 2020 et qui va être très important en 2021, c'est les données web essentielles. C'est le nouvel encart qu'il y a dans la Search Console. En 2021, pas de grosses révolutions en référencement naturel, mais des belles évolutions. Par contre, le site, le contenu devra toujours être largement optimisé et unique, ça va pas changer. Des backlinks sont nécessaires pour montrer que votre site est pertinent aux yeux des internautes, ça ne changera pas non plus. Toujours l'importance du site mobile et rapide, pas de souci à ce niveau-là. C'est les données web essentielles, c'est le nouvel encart qu'il y a dans la Search Console et finalement, c'est ce fameux SXO dont on parle depuis pas mal d'années. Là, ça y est, on est dedans, c'est une donnée prise en compte par Google et concrètement, c'est l'UX, le design. Il faut que votre site réponde aux standards de 2021, mais aussi des années suivantes pour que l'utilisateur se retrouve dessus et que cette plateforme soit plaisante à ses yeux. Ce qui est important, c'est que dans cette Search Console, Google va donner justement toutes les informations pour comprendre qu'est-ce qui fait que le site il va plaire à Google, parce que là, on est dans le design, mais finalement, on est dans le fameux les goûts, les couleurs, ça peut plaire à chacun, mais il y a quand même des règles très strictes. Et tout est désormais indiqué dans la Search Console, un texte illisible sur mobile, des pages trop lentes à ce niveau-là, pléthore d'informations qu'il faudra suivre sous peine d'être possiblement pénalisé en 2021.